cette année, il y a 240 jeunes qui participent au championnat de France. Pour l'édition 2023 à Montreux, nous avons l'honneur de recevoir 43 équipes. Dans cette répartition des 43 équipes, nous avons 26 collèges et 17 lycées. Il y a 104 tables de jeu qui sont installées sur l'espace de la salle rustique. Environ 1600. Eh bien, il y a un jeune arbitre, donc ça fait 43 jeunes arbitres qui vont officier aujourd'hui, plus un jeune coach par équipe également, donc 43 jeunes coachs. Alors le midi, on a 400 sandwichs, donc végétariens, jambon, toutes sortes de sandwichs qu'on distribue avec 400 desserts. Tous les midis, les matins, on a 400 petits déjeuners également. Et on a certains élèves qui déjeunent directement sur les hôtels et d'autres qui viennent déjeuner ici le matin. Le soir, on a prévu une gigantesque paella pour 350 personnes. Voilà, globalement, c'est une grosse organisation. Dans le cadre du championnat de France de jeux d'échecs UNSS, on a mis en place un village qui se trouve derrière moi. Et en fait, du coup, l'intérêt, c'est d'inviter les écoles, les collèges et les lycées de la ville de Montreux, là où se situe le championnat de France, et de leur faire découvrir le jeu d'échecs, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, et de faire des petites des mises en situation. Donc, il y a des échiquiers géants, il y a des courses d'orientation avec des questions pour pouvoir découvrir un petit peu les échecs. Il y a aussi des jeux en relation avec les échecs, mais un petit peu plus ludiques et plus faciles pour les non-initiés. Et donc voilà, c'est le but du village échecs en parallèle du championnat de France de jeux d'échecs. Aujourd'hui, j'ai deux rôles. Donc, comme je t'ai dit, je travaille dans les écoles où j'enseigne le jeu d'échecs. Je travaille que dans les écoles primaires. Et en parallèle, j'ai créé ma micro-entreprise pour avoir le droit de vendre mon jeu que je vends en France, mais aussi à l'étranger, parce que le jeu d'échecs est joué dans le monde entier. C'est un petit puzzle, c'est des petits échiquiers qui sont coupés en quatre morceaux. C'est un jeu, un petit casse-tête visuel, où il faut retrouver la bonne construction de l'échiquier de telle façon que le roi noir soit échec et mat tout de suite. C'est le seul jeu où on cherche un échec et mat en zéro coup. D'habitude, pour les problèmes pour les débutants, on cherche au minimum un mat en un coup. Mais là, dans mon jeu, on cherche un mat en zéro. Merci beaucoup. Merci à vous. Le jeu d'échecs est apparu vers l'an 600, entre l'Inde et la Perse. Dans ces pays, le chaturanga et le chatrang étaient des jeux de guerre où les pions représentent des membres de l'armée. Avec l'invasion des Arabes, le jeu s'étend en Europe. C'est à ce moment-là que la reine est apparue et que l'échiquier devient bicolore. Le plateau contient 64 cases et 6 types de pièces différentes. Dans une partie d'échecs, il peut y avoir plusieurs combinaisons. Le joueur doit être concentré, il doit faire preuve d'anticipation et avoir une bonne mémoire. Alors, je m'appelle Stéphane Denis, je suis membre de la commission mixte nationale UNSS. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons les règlements de l'UNSS pour les échecs et c'est aussi nous qui évaluons les jeunes arbitres pour vérifier s'ils ont le niveau suffisant pour passer jeune arbitre national. Comment s'appelle la sorte d'horloge ? Alors la sorte d'horloge, ça s'appelle une pendule. La pendule, elle permet de jouer aux échecs en ayant chacun un temps qui est déterminé pour éviter que quelqu'un réfléchisse pendant une heure et demie alors que l'autre, il a le temps que 2-3 secondes. Donc pour que ça soit équilibré, on met une pendule qui permet de limiter le temps de la partie. Quel est le rôle de l'arbitre ? Alors l'arbitre, il a plusieurs rôles. Un des rôles principaux, c'est de faire que tout se passe bien. Il faut faire en sorte que les joueurs d'échecs se sentent dans des bonnes conditions. Alors évidemment, dans les rôles de l'arbitre, il y a aussi le fait de vérifier qu'il n'y a pas de triche, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas des gens qui essayent de tricher, mais aussi faire attention à ce que les spectateurs ne gênent pas les joueurs, faire attention à ce que tout se déroule suivant les règles du jeu d'échecs. Combien de temps dure une partie ? Alors ça dépend. Une partie, ça dépend. En UNSS, une partie, ça dure
environ 30 minutes. Dans d'autres catégories, on peut avoir des parties qui durent jusqu'à 6-7 heures de jeu. Mais en UNSS, au championnat de France UNSS cette année, chaque joueur a à peu près 15 minutes pour jouer. Est-ce qu'il y a différents niveaux en échecs? Alors oui, il y a des différents niveaux aux échecs. En fait, on a tous, quand on commence à jouer en compétition, un classement qu'on appelle le classement Elo. Le classement Elo, plus on gagne de parties et plus on va gagner de points Elo. Les très très forts joueurs, comme Magnus Carlsen, qui est l'ex-champion du monde, ils ont plus de 2700 points Elo. Des joueurs de club classiques, ils ont entre 1400 et 1600 Elo. Et des débutants, ils ont moins de 1200 points Elo. Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe en UNSS? Alors en UNSS, les équipes, c'est une équipe de 4 joueurs, dont un des joueurs qui est le jeune coach, qui va gérer son équipe. Et en plus de ces 4 joueurs, on a un arbitre qui est mis à disposition par l'équipe et qui va arbitrer sur les autres matchs que son équipe. Alors combien y a-t-il de cases sur un plateau? Alors un plateau d'échecs, c'est 8 rangées et 8 colonnes. Et donc 8 x 8, 64. On parle d'un jeu à 64 cases. Est-ce que les échecs sont un sport? Alors oui, les échecs c'est un sport et ça a été reconnu comme sport par l'UNSS depuis 2014. De plus, depuis 2021, on a été reconnu comme sport olympique et on fait partie du CNOSF, Centre National de l'Olympisme. Et donc c'est considéré comme un sport à part entière, même si ce n'est pas un sport où on court ou on saute, c'est un sport où on consomme quand même beaucoup de calories. En particulier grâce à la matière grise et à la réflexion. Comment est-ce qu'on marque des points en échec? On marque des points tout simplement en gagnant sa partie. Pour gagner sa partie, il y a plusieurs possibilités. Soit l'adversaire abandonne parce qu'il voit qu'on est trop fort pour lui, c'est assez rare. Soit on gagne en faisant échec et mat, c'est-à-dire qu'on attaque le roi et le roi n'a pas de possibilité d'empêcher d'être attaqué. Comme il ne peut pas empêcher d'être attaqué, il ne peut plus jouer et c'est à lui de jouer. Et il est en échec, il y a échec et mat. C'est un événement très important, le championnat de France des collèges et des lycées, parce que c'est l'aboutissement pour tous les jeunes qui font des échecs sur le temps scolaire avec l'UNSS au collège et au lycée, qui aiment les échecs, et c'est l'aboutissement du parcours. Donc c'est naturellement important pour la Fédération française d'être présente, puisqu'on est, on co-organise le championnat, on travaille avec l'UNSS toute l'année pour le développement des échecs. Et donc aujourd'hui, c'est un point de rendez-vous, un point de rencontre très important pour la Fédération. Et donc naturellement, je suis présent ici pour cette raison. Les échecs sont un sport pratiqué par énormément de jeunes. Un Français sur deux joue aux échecs, mais chez les licenciés de la Fédération, les joueurs de compétition sont majoritairement jeunes. Et naturellement, ici, c'est une très belle exposition. On voit des collégiens et des lycéens qui jouent en équipe, qui ont ce principe de jeune arbitre, de jeune coach. Toutes les valeurs de l'UNSS et du sport échec sont réunies. Et évidemment, pour moi, c'est un spectacle magnifique. Je suis ravi et donc félicitations à tous les joueurs et à toutes les équipes.